Alors, Madrid, Grand Prix de Madrid, les négociations vont bon train apparemment. Selon le journal Marca, les négociations entre la FOM et Madrid vont crescendo. Donc, c'est pas encore clair si l'arrivée de Madrid signifierait l'abandon de Barcelone, mais bon, en même temps, enfin, en 2027, Alonso normalement il sera plus là. Donc, il y aura toujours Sainz normalement, comme pilote espagnol. Après deux Grands Prix espagnols, je suis pas sûr que ce soit dans les vœux de la FOM. Honnêtement, à mon avis, il n'y en aura qu'un. Donc, Barcelone, je pense que ça va dégager, et puis ils vont laisser la place à Madrid, tout simplement. Après, 2027, c'est encore lointain, il peut encore se passer des choses dans le calendrier. Donc, bon, écoutez, on verra ce que ça donne. Hein. Mais moi, ce que je remarque, c'est que ça va encore faire un circuit en ville, quoi. Et on sait très bien que les Formule 1 actuelles ne sont pas adaptées au circuit urbain. Et le spectacle est moyen, voire même nul. Donc, je suis pas très optimiste. Bon, allez, je vous laisse commenter.